Welcome, everyone, to this French Christmas series. We will talk about Christmas miracles, Christmas tales, Christmas traditions from around the world, New Year's Eve traditions, uh, facts, fun facts, anything Christmas related, you name it, we'll talk about it. The goal here is to practice listening with an intermediate level listening, I would say upper intermediate. So, if you're not quite there yet in terms of your understanding of spoken French, you can activate the subtitles or you can look up the transcription in the description and you will also find a list of vocabulary that I thought would be interesting for you and useful in like different contexts. Do not forget to subscribe and like this episode if you enjoy this format, because that way I'll know that I need to make more for you. Um, C'est parti! En December 2014, Une famille du Minnesota a vécu un miracle de Noël émouvant avec leur chien adoré, Max. Max était un golden retriever qui avait partagé de nombreuses années de bonheur avec la famille, mais tragiquement, il disparut un soir neigeux quelques semaines avant Noël. La famille se lança dans une recherche acharnée distribuant des flyers et contactant les refuges locaux, mais les jours se transformant en semaines, leur espoir commença à s'estomper. Les conditions hivernales rigoureuses du Minnesota les faisaient craindre le pire. Cependant, la veille de Noël, un événement remarquable se produisit. Alors que la famille s'installait pour leur dîner de Noël, ressentant profondément l'absence de Max, ils entendirent un aboiement familier à l'extérieur. Se précipitant vers la porte, ils furent stupéfaits. Max était là, debout, dans la neige, un peu fatigué, mais sinon en bonne santé. Max avait miraculeusement retrouvé son chemin vers la maison, naviguant à travers le paysage froid et enneigé. La famille n'a jamais su où Max avait été comment il avait réussi à survivre et à retrouver son chemin. Son retour fut un moment de joie et de miracle, offrant à la famille un cadeau de Noël inoubliable. L'histoire incroyable du retour de Max est souvent racontée comme un symbole d'espoir, de résilience et du lien spécial entre les humains et leurs animaux de compagnie. Elle sert de rappel que parfois, les miracles les plus merveilleux se produisent lorsque nous nous y attendons le moins.